L'Union européenne est le premier partenaire de la Tunisie, c'est un partenaire fondamental. Ce que nous construisons avec l'Union européenne et la Méditerranée, c'est un projet politique, c'est un projet civilisationnel même. Le but final, c'est l'intégration de la Tunisie dans l'espace européen, l'espace non seulement économique, mais également sociétal et l'espace politique aussi. Les pays n'avancent pas tous à la même vitesse, parce que chacun a ses contraintes. Il faut que les partenaires européens comprennent ces contraintes-là. Il faut sortir de la logique où on essaye d'arracher au maximum ce qu'on peut arracher du partenaire sans compter les conséquences. Il faut au contraire avoir une vision de long terme et protéger son partenaire, l'aider quand on sait qu'il a des difficultés ou une situation difficile ou une période transitoire comme on connaît en Tunisie. Il faut que le partenaire soit impliqué et comprenne surtout les contraintes internes et le contexte interne bien pour pouvoir trouver les bonnes solutions. C'est un projet civilisationnel que nous construisons avec l'Union européenne. Nous demandons davantage de compréhension et de souplesse pour ce qui est des mécanismes de coopération entre nous afin d'éviter tout message négatif comme il y en a eu récemment, mais heureusement que nous sommes en train de les dépasser. Et les priorités sont connues. Hein. Elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont sociales. C'est un but ultime, davantage d'intégration de l'économie tunisienne et de l'organisation du pays, conformément, en harmonie avec nos partenaires. C'est un de nos objectifs fondamentaux.